Admirez, mesdames et messieurs, le mont Roraima. Tout le mystère de l'Amérique du Sud est dans ce plateau. Une terre pleine de secrets que personne n'a exploré, qui reste encore à conquérir. Oui, ces terres inconnues feront l'objet de ma prochaine grande expédition. Au terme de notre ascension, nous verrons un territoire resté vierge depuis sa création. Fantastique. Qui sait ce qui nous attend? Quel paysage unique? Ou quelles étonnantes espèces nous découvrirons? Et avec l'aide du Seigneur, ce sera une aventure passionnante. Y a-t-il des questions dans la salle? Quand prévoyez-vous de partir? En décembre, avec l'aide de la Société Royale de Géographie. Je m'attendais à ce que tu bondisses et que tu le supplies de t'emmener. C'est vrai que c'est tentant. Mais non, Ruben. L'aventure, c'est fini pour moi. Alors, pourquoi es-tu devenu membre de la société? Pour la littérature ou les sciences? Pour les clients potentiels, j'en ai besoin. Tu m'as moi, déjà. Une santé de fer et pas un sou en poche, parfaitement inutile pour un médecin. Je comprends ton ambition, Arthur. On se ressemble à bien des égards. Oui, parce que j'ai un cabinet sans patients et que toi, tu diriges un musée qui n'a pas un seul visiteur. Accorde-moi 10 minutes. Pourquoi? Tu vas voir. Arthur, tu peux venir. Elle est là. Qui, elle? Ma princesse, en quelque sorte. Là, tu m'inquiètes sérieusement, Ruben. Oh, elle est à moi. Je l'ai payée 7 guinées, mon cher. Et vu les inscriptions, je peux affirmer que c'est... une princesse. 7 guinées? Oui, elle est en mauvais état. Et le pauvre diable qui me l'a vendue se moquait bien de sa valeur historique. Je l'ai échangée contre une ration de gin. Et quel âge a-t-elle? Je pense qu'elle a approximativement 3000 ans. Mais certains hiéroglyphes restent indéchiffrables. J'ai une mauvaise nouvelle, Ruben. L'humidité s'est infiltrée dans le boîtier et dans 3 mois, elle sera détruite. Elle commence à se décomposer. Oui, et c'est là notre chance. Je ne vais pas répertorier des silex taillés et des fossiles durant toute ma vie. Sa conservation nous importe peu si ses jours sont comptés. Et si on ne doit pas la conserver, alors on peut la déshabiller. Maintenant? Bien sûr que non. En public, en invitant la fine fleur de la société. Arthur, une majorité de scientifiques, la presse et quelques notables. Un événement distingué, mais néanmoins sensationnel. Oh. L'historique de la momie doublée d'une leçon d'anatomie. Une autopsie complète qui expliquera les secrets de la vie et de la mort tragique d'une princesse d'Égypte. Mais pourquoi une mort tragique? Forcément, si elle était jeune. Imagine un peu, Arthur. C'est une vraie chance pour nous. Tu te feras connaître en société, et moi, je serai enfin en mesure de monter une collection de premier ordre grâce aux souscriptions. Le docteur Doyle arriva sur le podium et après avoir transpiré durant 20 minutes, il se mit à bégayer de manière très édifiante. Non, non. Ne te moque pas, Arthur. Je fais ça dans un but très sérieux. Ma mère et ma sœur, c'est pour elles que je le fais. Jadis, notre père a été déshonoré pour avoir revendiqué un diplôme d'Oxford qu'il n'avait pas. Et je tiens à laver cet affront. Mais je fais un bien piètre orateur, Ruben, tu l'as déjà constaté. Ce n'est pas pour cela que j'ai besoin de ton aide. Ce sont tes contacts dont j'ai besoin.
Bonjour, madame. Votre bébé est atteint d'une gangrène du cœur. Ça vous fera 6 pence, merci. Arthur, il est 9h. Merci, Inès. Franchement, que ferais-je sans toi? Voici les factures du jour, monsieur. On verra ça plus tard. J'ai l'air correct? Vous êtes un vrai dandy, docteur Doyle. J'ai fait de mon mieux. J'ai un trac de tous les diables. Où est Inès? Parti en exploration, je suppose. Votre frère connaîtra ça aussi comme sa poche quand il rentrera chez lui. Oh, je ne vous l'ai pas dit. Il ne rentrera pas à la date prévue, il va rester ici quelque temps. Oh. Oui, j'ai beaucoup d'espace alors que ma mère est à l'étroit et il est de bonne compagnie, n'est-ce pas? En tout cas, il ne passe pas inaperçu. S'il y a une urgence, qu'il passe me chercher à la gare. Après ça, je conduirai directement nos invités au musée. Vous n'êtes pas en avance. J'ai le temps, je ne veux pas courir. Quelle est la sonnerie de 9h? Celle qui fait ding-ding ou celle qui fait bong? Ou celle qui joue une mélodie? Seigneur! Je vais te tuer, Inès! Où est Monsieur Proctor? Il est là-haut avec sa momie. Avez-vous vu deux messieurs arriver de la gare? Moi, il n'y a que de mon camion que je m'occupe. Merci. N'y a-t-il donc pas la moindre organisation ici? Mais quoi, regardez-moi ça! C'est encore en chantier! Monsieur, professeur Rutherford, soyez le bienvenu. Qui êtes-vous? Doyle, monsieur. Arthur Conan Doyle, vous m'avez enseigné l'anatomie. C'est vrai. Ne vous préoccupez pas de payer le fiacre, William. J'ai réussi à vous prendre de vitesse. Et j'ai descendu vos bagages avant que le cocher ne reparte avec. Doyle. Docteur. Je suis ravi de vous voir. Vous allez bien? Alors comme ça, Doyle, nous nous connaissons. J'ai suivi vos cours pendant 5 ans. Je n'ai aucun souvenir de vous. Sachez que je considère ceci comme une prestation d'ordre professionnel pour laquelle j'attends tout le respect dû à un spécialiste. Bien sûr. Si mes souvenirs sont bons, nous étions d'accord sur 50 guinées. Il me semble que c'était 50 livres, monsieur. Mais vous avez raison. C'était bien 50 guinées, monsieur. Et alors où sont-elles? Nous paierons votre note d'honoraire, monsieur, une fois la prestation effectuée. Docteur Rutherford, je suis journaliste au Hampshire Post et au South Sea Observer. À ce qu'il paraît, vous allez nous donner une leçon de momifiage. Que dites-vous, monsieur? Une leçon de momifiage? Pour commencer, mon jeune ami, il n'y a pas de docteur Rutherford. Vous vous adressez au professeur William Rutherford de l'Université d'Édimbourg. Je suis là pour faire une expertise et non pour faire le guignol devant un public d'âne batté. Donnez les faits correctement, ou alors ne les donnez pas du tout. Je porterai plainte à la moindre erreur. Si vous écorchez mon nom, je porterai plainte. En fait, si vous écrivez un seul mot qui m'indispose, ou si vous faites quoi que ce soit qui me gêne, vous entendrez sonner les cloches. Voyons un peu. Faux. Faux. J'ai fait venir le démon. J'ai dû le subir dans un compartiment fermé durant 10 heures. Tout ça est mal. Il ne dort jamais. Bonsoir, madame. Je suis Reuben Proctor, le conservateur du musée. Bonsoir. Soyez les bienvenus au musée. Bonsoir, monsieur. C'est un honneur. Bonsoir, madame. Je suis Reuben Proctor, le conservateur du musée. Bonsoir. Enchanté. C'est au premier étage. Prenez place. Bonsoir. Ah, bonsoir, amiral. Soyez les bienvenus. Madame la baronne. À l'étage, je vous prie, dans la grande salle. Ça se remplit, hein? C'est la soirée la plus terrifiante de toute ma vie. Tu verras, c'est le début d'une grande réussite. Excellence.
D'autant plus que... Oui. Rideau dans 2 minutes. Où vous croyez-vous, Doyle? Dans un cabaret? Mon honoré confrère m'a fait part de la façon dont il voyait les choses. Oui, dites-lui ce qui est prévu. Le professeur Rutherford va disséquer la dépouille sans mon assistance. Je m'efforcerai ensuite de spéculer sur un diagnostic sans la sienne. Et puis, Doyle, vous veillerez à ce que ces demeurés de province comprennent qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Nous ne sommes pas là pour rire. Et si d'aventure quelqu'un dans le public venait à s'amuser, je vous prierai évidemment de le mettre dehors. Programme orange fraîche, bulot mariné. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Avant d'accueillir nos deux professeurs, je voudrais vous faire part d'un câble que j'ai reçu du grand égyptologue Sir Flinders Petrie. Il nous remercie de l'avoir invité, mais malheureusement, il ne sera pas parmi nous ce soir, car il dirige une fouille de première importance à Tanis. C'est signé par son secrétaire. À présent, je vais vous parler de notre sujet. Nous en savons bien peu pour l'instant, je l'avoue. Les seuls indices sont ces hiéroglyphes, et beaucoup d'entre eux sont inconnus dans l'état actuel de nos connaissances. Mais d'après moi, notre sujet, ou plutôt était, une femme de lignée princière, morte durant sa 23e année. Nous ignorons tout de sa vie, comme des causes de sa mort. Nous espérons ce soir en apprendre plus sur ces deux aspects. J'ai l'honneur de vous présenter le professeur William Rutherford. Historiquement, les Égyptiens conservaient leurs morts en retirant du corps le cerveau, les poumons et les viscères, puis en desséchant les chairs avec un produit à base de sel. Ainsi préparés, les défunts étaient envoyés dans l'au-delà et trouvaient les plaisirs éventuels qu'ils procurent. Le corps a été enveloppé de lin. Le lin a ensuite été imbibé d'une solution qui l'a fait durcir. Le corps, normalement, était placé dans un cercueil appelé aussi sarcophage. Sans cette protection additionnelle, l'état de conservation de ce spécimen est mauvais. Très mauvais. Il a néanmoins résisté aux attaques du temps pendant 3000 ans. Malgré cette odeur de décomposition, je dois dire que pour un cadavre vieux de 3000 ans, son état de conservation est remarquable. Tout à fait remarquable. Notamment, au vu de sa chaîne de montre et de son gilet. Monsieur Proctor! J'ai l'intention de quitter ce soir même l'hôtel au demeurant très quelconque où vous m'avez installé. Je vais prendre le prochain train pour Londres où je passerai la semaine. Vous pourrez me contacter à mon club et ils vous enverront ma note. Qu'en pensez-vous, docteur Doyle? Je m'en réfère à vous, monsieur. Enterré depuis 3000 ans, mais mort depuis 15 jours à peine. Totalement impossible. Une affaire pour la police, je crois. Les personnes ne sortent sans s'être identifiées. À vos ordres. J'ignore comment une chose pareille a pu arriver. Veuillez coopérer avec la police. Reste calme, voyons, c'est un désastre. Ce n'est pas ta faute, arrête de te sentir responsable. Qui est responsable alors? On a découvert un meurtre. Quand la lumière sera faite sur tout ça, ce sera grâce à nous. Pense ce que tu veux, je suis la risée de ça aussi. Par le ciel, le monde ne se réduit pas à ça aussi. Ah, monsieur Proctor, ayant moi-même été bien souvent berné par les vendeurs d'antiquités, puis-je vous dire que je compatis? Pardon, vous êtes... Monsieur... Heywood, Donovan. L'évêque m'a fait profiter de son invitation. Je dois vous avouer, monsieur, que je ne m'attendais pas à une soirée aussi distrayante. Pendant un moment, j'ai craint d'être obligé d'apprendre quelque chose.
Je doute que vous ne soyez inondé de souscriptions après cette soirée. Néanmoins, il semble que vous ayez engagé des frais non négligeables. Toutes les dettes seront dûment payées, monsieur. Pas par l'opération du Saint-Esprit. Puis-je me permettre d'exprimer mon soutien, de manière plus concrète? Demain, venez donc me rendre visite chez moi. Je vous donnerai un billet à l'attention de ma banque. Sauf si vous estimez que venant d'un Canadien, c'est une œuvre indigne de ce musée. Je vous prie de m'excuser, j'ai passé une dure journée. Merci, monsieur. J'imagine que vous ne voyez pas cela souvent à Édimbourg. Êtes-vous toujours privé de médecin légiste? En plus d'être un médecin hors pair, vous êtes aussi devin, docteur Bell. Bien, je veux que le corps soit enveloppé dans ce drap et transporté à la morgue. Surtout que personne n'y touche, je ne veux pas de curieux, pas de collectionneurs de souvenirs. Postez un de vos hommes devant la porte s'il le faut. Doit-on enlever les bandelettes? Surtout, n'y touchez pas, je m'en occuperai durant l'autopsie. J'aime mieux ça. Monsieur? Alors? Je vois que vous avez proposé vos services. Uniquement pour achever la tâche pour laquelle j'étais venu. Et votre ami? Je m'inquiète pour lui. Il voulait se faire un nom, c'est tout. Ça, on peut dire qu'il a réussi, le pauvre garçon. À quel point êtes-vous impliqué dans ce fiasco? Ma participation s'est limitée à vous inviter, vous et le professeur. Ça vaut sans doute mieux comme ça. Et votre cabinet, ça va? Oh, ça va. Oui. Je progresse, pas de façon spectaculaire, mais doucement. Et je vous assure. Pardonnez ma curiosité envers un ami qui m'est cher, mais j'ai remarqué que vous aviez été obligé d'emprunter ce costume. Mon père me l'a donné. Bien sûr. Je suis vraiment navré. Et j'aurais dû y penser. En effet, ma situation reste précaire, mais elle s'améliore. Vous devez me croire, j'ai gagné le respect des notables de la ville. Sadie! Que personne n'entre, notre bon docteur dit que je dois baisser mon falzard. Les gens vont pas se presser pour voir ça. Bon. Ce sera vite fait. J'ai avalé un souverain un jour. Il est à vous si vous le trouvez. Attention, amiral, vaisseau à l'horizon. Vous savez ce que sont les hémorroïdes? Non. C'est ce que vous avez. Merci, docteur. Sans un savant pour m'éclairer, j'aurais continué à croire que c'était les grelots. Dès qu'on est prêt, on reprend la route. Et ça me démange, je vous assure. C'est le problème avec les quartiers d'hiver. Tout le monde aime les gens du voyage, mais personne ne les veut comme voisins. Tout cela est à vous? Soit c'est à moi, soit j'en ai fait cadeau. J'ai commencé dans le métier en jouant dans des farces. Quand je me suis marié, mon père m'a confié mon propre spectacle de lanterne magique. J'ai économisé et j'ai acheté les roulottes. Et maintenant, j'aide ma famille. Ça avance, oncle Walter! Ah, le rat géant n'attire plus les foules? Il est mort d'un coup de froid. C'était pour un rat. C'était un petit chien qui avait perdu ses poils. Un bon petit gars. On l'a mis dans un bocal pour l'exposition de monstres. C'est ce qu'il aurait voulu. Mais venez, docteur. Je vous présente notre soi-disant femme à barbe. Vous ne connaîtriez pas un replanteur de poils. Pour ça, je crois qu'il faut laisser faire la nature. Ouais. En ce qui me concerne, ça fera 2 shillings pour l'engan. Tout à fait. Pardonnez-moi, docteur. Je vois que vous organisez des combats de boxe. Allez!
Mais excusez-moi, docteur Doyle, à la fin de l'hiver, je suis toujours en fond de cale. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Va pousser la chansonnette devant le grand hôtel avec ta sœur. Ne traînez pas, vous ramassez 2 shillings et vous les apportez au docteur. Je m'en vais. Non, attendez! Ne les faites pas mendier pour moi. On n'est pas des mendiants, docteur. Non, non, je voulais dire... Écoutez, si ça vous arrange, réglez-moi en nature. Comment? Donnez-moi des gants et appelez votre champion. J'ai toujours eu un faible pour les sports de poing. C'est vraiment ce que vous voulez, docteur? Je vous assure, monsieur, vous me faites un grand plaisir. La boxe a toujours été mon sport de prédilection. Et il y a bien longtemps que je n'ai pas eu la chance d'affronter un professionnel. Vas-y, j'espère. Il faut que le docteur en ait pour son argent. C'est parti! Excusez-moi, monsieur. Je pense avoir l'avantage, alors je fais doucement. Téméraire, ça, on peut le dire. Trop téméraire, il faudrait même dire. Vous n'êtes pas fâché? Oh, seigneur, non. J'ai eu tout ce que je voulais. Une leçon d'un maître. Qui est ce jeune homme? C'est mon frère, Innes. Il est venu d'Édimbourg me tenir compagnie. Une lettre pour toi. Tu veux rejoindre la troupe, jeune homme? J'ai besoin d'un nouveau malabar. Non. Tu préfères être l'assistant du lanceur de couteaux? Gypsy Bob les élimine à tour de bras. Non. Que dirais-tu d'être le bras droit d'un jongleur manchot? Non. Qu'est-ce que tu veux devenir alors, Innes? Un grand docteur comme ton frère? On ne peut plus rien faire. Détachez-le ! C'est sa dernière lettre. Il savait que je la recevrais trop tard. Il ne voulait pas que des étrangers le trouvent. Je vais informer le coroner. Il verra quand il sera envahi par les rats. Il verra, lui, viens, on s'en va. Doyle. Ça ne va pas? Je viens de... d'accompagner un patient. Ah. Je compatis. Il est toujours traumatisant d'en perdre un. Oh, vous avez été mêlé à une dispute. Oh, ça... un exploit sportif. Admettons. Vous arrivez à point parce que j'aimerais avoir votre opinion. Approchez-vous donc. Sans doute moins exotique qu'une princesse égyptienne, mais un mystère bien plus passionnant. Qui est-il? Aucun moyen de l'identifier? Rien du tout. Les étiquettes de ses vêtements ont été coupées à la va-vite. La chaîne de montre est cassée. Et la montre a disparu, ce qui nous prive du bénéfice d'une éventuelle inscription. Vous avez d'autres remarques? Il était âgé d'environ 45 ans. Je suis d'accord, un tailleur de pierre droitier, regardez sa main gauche. Vous voyez que le pouce est très calleux, et de même, dans la paume de la main, la peau est épaissie vers le milieu. Voilà une main qui a tenu le ciseau, et si nos conclusions sont exactes, il devrait y avoir de la poussière sous les ongles.
Oui, c'est exact. Bon, et à quand remonte la mort, d'après vous? L'adipocire a commencé à se former. C'est le début du processus. La saponification n'intervient pas avant au moins 3 semaines après la mort. Quelques semaines au moins, 2 mois au plus. Excellent. Pardonnez-moi, c'est une habitude d'enseignant. Il est mort de cette blessure? Oui. Un seul coup, donné avec une lame large d'environ 3 cm. Et puis, il y a ceci. Il y en avait 5 en tout. À l'intérieur des bandelettes? Oui, une explication. Était-il près des pieds? Oui. Ce sont des poids. Exact. Et donc, vu que ces coutures sont identiques à celles qu'on trouve sur les voiles, on doit conclure... qu'initialement, le corps avait été emballé pour être rendu à la mer, c'est ça? Je pensais bien que nous serions d'accord. Je vous remercie, Docteur Doyle. Et savez-vous, notre jeune ami, Monsieur Proctor, s'est procuré cette antiquité de fabrication si récente? Malheureusement, non. Alors, nous devons absolument l'interroger à ce sujet. Ce ne sera pas possible. Et pour ces affaires, docteur? Pardon? Souhaitez-vous emporter ces effets personnels? Je vous déconseille de les laisser ici. Quand la famille n'est pas là pour réclamer, les choses ont tendance à se volatiliser. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Allez-vous rester? Pas au-delà de ce qui était prévu. Nous avons ouvert à Édimbourg un nouvel hôpital pour enfants, et je ne peux pas abandonner nos bambins. Donc, le mystère ne sera jamais élucidé. Ce n'est pas dit, l'inspecteur Warner y travaille. Venez donc dîner ce soir, nous pourrions spéculer un peu. Eh bien, avec plaisir, docteur. Et d'ailleurs, à ce sujet... J'ai un épicier dans ma clientèle. Il me paye en produits. Allez, alors, allez. Dès qu'il fait une attaque, nous dînons comme des rois. Et d'un point de vue pratique, je ne peux pas garantir que vos frais seront payés comme convenu. Bien sûr, je comprends tout à fait. Et j'allais justement vous dire, j'ai annulé la réservation à l'hôtel dès ce matin et j'ai envoyé mes bagages directement chez vous. En tout cas, Reuben ne doutait pas de l'authenticité de son acquisition. Mais il refusait de me dire comment il l'avait eue. Avez-vous trouvé que l'odeur de ces fameuses bandelettes avait quelque chose d'inhabituel? À part l'humidité, bien évidemment. Et la décomposition? Pourquoi? Il y avait autre chose? De la colle et des pigments. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que l'aspect usé et décrépit des bandelettes est une imposture, tout comme les hiéroglyphes à l'extérieur. Oh, attendez, Madame Williams, je vous ouvre. Et puis, il y a le contenu de son estomac. Je ne pense pas que le porc aux lentilles soit la base de l'alimentation des Égyptiens. Ah. Tu pas au lit? Madame Williams m'interdit d'avoir une bougie dans ma chambre. Ne me dis pas que tu as peur du noir. Qu'est-ce que tu lis? Une des histoires d'Arthur. Il en écrit des tonnes. Qu'est-ce que c'est? Tenez. Cornelle, puis-je regarder? Non. Arthur ne veut plus que vous lisiez ce qu'il écrit. Mais pourquoi ça? Il dit que vous n'appréciez pas. Mais quelle insolence! File, il est tard. Mais enfin, c'est stupide! Je fais comment pour demander une interview à Monsieur Donovan si vous ne me laissez pas entrer? Docteur Doyle, Monsieur Donovan m'a demandé de venir le voir très rapidement. Docteur Doyle, vous lui glisserez un mot pour moi?
ce que vous voyez ici va partir au Canada. Je me fais construire un manoir de 60 pièces dans l'Alberta. Et croyez-moi, mon ami, ça fait beaucoup d'espace à remplir. Et beaucoup de temps passé en salle des ventes. Il y a une chaise avec mon nom marqué dessus dans chacune d'elles. Je voulais une grande maison, proche du centre de Londres. Et mon agent n'a pas trouvé mieux que de me coller ça. Sur la carte, ça avait l'air d'être juste à côté. Enfin, elle a ses avantages. Meilleur rapport qualité-prix. Non, l'argent n'est plus un problème aujourd'hui. Je suis issu de 3 générations de Donovan, qui ont connu la misère sur une terre qui s'est finalement avérée avoir 2 richesses. De la houille et des os de dinosaures. J'ai des décennies de pauvreté à rattraper, ça c'est sûr. Nous sommes ici pour 1 an. Comme ça, ma fille sort en société et moi, je peux meubler la maison de famille. Vous avez remarqué ma fille ? Oui, il est difficile de l'ignorer. Elle fait toujours cet effet-là. Sa mère était pareille. Quel est son prénom ? Gladys. Ça veut dire maîtresse de la terre. Je pensais que c'était un prénom irlandais quand je l'ai choisi. Mais il semble que ce soit gallois. Il faut dire que sur la carte, ça a l'air d'être juste à côté. Bien, on va passer aux choses sérieuses. Je suis vraiment désolé pour votre ami. Je sais qu'il a été humilié, mais honnêtement, se donner la mort pour ça me semble un peu excessif. S'il avait pris le temps de réfléchir, il en aurait sûrement convenu. Avez-vous eu des informations sur cette soi-disant princesse égyptienne ? Le docteur Bell a conclu qu'il s'agissait en réalité d'un tailleur de pierre qui avait mangé du porc aux lentilles avant d'être tué. On sait aussi que le tueur s'est servi d'une arme à lame large comme une faucille, une épée ou un coutelas, et qu'il avait fait en sorte qu'on ne puisse découvrir l'identité de la victime. Bien. Ma banque s'occupera de ce billet à ordre, mais je remarque qu'il n'y a rien pour vous-même. Pourquoi en tirerais-je profit ? Ne vous méprenez pas, c'est tout à fait honorable. Non, l'honneur de votre ami est en jeu. Et vous prenez cela très à cœur. Un tel altruisme, c'est exceptionnel. N'importe qui ferait cela pour un ami. J'ai peut-être une idée pour que cette visite vous soit aussi utile. Parfois, j'ai la nette impression qu'à chaque pas que je fais dans ce pays, il y a quelqu'un qui veut me voler, m'escroquer, ou profiter de mes largesses. Mais vous m'avez redonné confiance, Docteur Doyle. Où allons-nous, monsieur ? J'ai un patient pour vous. Michael ! Oui, monsieur ? Va chercher une chaise que le Docteur Doyle regarde ta jambe. Ce serait moins douloureux si vous vous étiez fait soigner plus tôt. Oui, mais tout le problème est de trouver un docteur. Un docteur qui accepte de se déplacer au-delà des salons distingués du centre-ville. Vous êtes injuste. Le docteur Pike est un homme bien et il est plus connu que moi. Comment est-ce arrivé ? Des voleurs avaient pénétré dans la grange et des coups ont été tirés quand Michael les a mis en fuite. Ont-ils volé quelque chose ? Une charrette remplie de vases de pierre et de statues. Sans grande valeur. Mais eux, par contre, sont convaincus d'avoir volé un précieux trésor. D'ailleurs, on en a bien ri avec Michael, hein ? Tu te souviens du docteur Doyle ? Il dynamitait des souches d'arbres près du Grand Lac, tu sais. Et Claire a pris peur. Tu es tombée ? Tu veux voir le docteur ? Tombée ? Moi ? Soyez patient, docteur Doyle. Peut-être la prochaine fois. Envoyez quelqu'un à mon cabinet cet après-midi pour chercher les médicaments. D'accord. Je regrette de ne pas avoir vu le fameux docteur Bell en action. Je suppose qu'il est rentré. Non, mais il est encore à South Sea. Oh,
Alors nous nous verrons peut-être. Venez donc dîner tous les deux. Votre mystère m'intrigue à présent. Je dois dire que l'on m'a vendu bien des choses qui n'étaient pas aussi anciennes qu'on le prétendait. Mais un cadavre, c'est du jamais vu. Au fait, il y a un journaliste qui attend devant la grille. Il n'ira pas plus loin. Je vois. Il avait l'avantage d'être sur place. Venez voir. C'est un reçu pour l'achat de la momie. D'où vient-il? Ça, je l'ignore. Il n'y a qu'un signe en bas. Et qui ne m'est pas inconnu. J'ai vu un signe identique sur les bandelettes de la momie. Je comprends que M. Proctor n'ait pas réussi à traduire ça. Ce n'est pas un hiéroglyphe égyptien, c'est un signe tzigane. Oui, des gitans. Pas forcément des gitans. Ces signes sont utilisés par diverses populations itinérantes. Ils marquent ainsi les chambranles de porte pour communiquer entre eux quand ils voyagent. Oui, les gitans, l'Égypte. Je commence à entrevoir un lien entre tous ces éléments. Méfiez-vous de ces gens du voyage, docteur. Si leur bourse est pleine, ils peuvent être honnêtes. Mais en fin d'hiver, elle est toujours vide. Oh, ils n'ont rien à craindre de moi, et inversement. C'est une enquête de police, ils coopéreront, je pense. Au strict minimum. Très bien. J'irai donc seul, alors. Ce n'est pas raisonnable, docteur Bell. Mais si vous insistez... Prenez mon sifflet à titre de précaution. Le bruit s'entend à plus d'un kilomètre. Vous croyez que c'est risqué? Eh bien, les sédentaires sont bien peu de choses pour les nomades. Et si en plus nous les invitons à dénoncer leurs semblables, ne soyez pas trop surpris si l'invitation est refusée. Voilà tout. Bon. Hé là! L'invitation arrive trop tard, je crois. En fait, pourriez-vous envoyer quelqu'un dans les monts de piété de la région à la recherche d'une montre déposée récemment avec un maillon de chaîne attaché à l'anneau? C'est déjà en cours. Si oriental. Quand j'étais enfant, mon père m'a emmené voir John Henry Anderson. On l'appelait le grand magicien du Nord. Ah, je croyais que c'était le surnom de Sir Walter Scott. Lui, c'était un magicien professionnel. Il mettait une jeune demoiselle dans une boîte fermée et passait une épée au travers. Vous savez comment s'appelle le théâtre de Maskelyne, illusionniste à Londres? L'Egyptian Hall, exact. Serait-ce le résultat d'un numéro qui aurait raté? C'est peut-être une explication, mais encore insuffisante. Et car si un numéro rate, il rate devant une salle pleine. Et le désastre est révélé au grand jour. Quel serait alors l'intérêt de couvrir le dit désastre en maquillant un corps en décomposition en une pièce de musée? Ah, voilà, nous arrivons. Quel est son nom complet? Heywood Donovan. Et il veut me voir. Il admire vos méthodes. Quel honneur. Et vous admirez autre chose, je suppose. Vous avez raison. Eh bien, docteur Doyle?
Mademoiselle. Et quelles sont vos vues sur le renouveau celtique? Eh bien, je doute qu'il y ait un avenir ou un sens à ériger la vengeance en principe politique. Nous parlions de son influence dans les arts et la culture. Oh. Par principe, la politique est un sujet que nous évitons à table. Veuillez m'excuser, mais quand la perception purement émotionnelle que l'on a du passé détermine l'analyse que l'on fait du présent, c'est alors que l'art et la politique deviennent difficiles à séparer. Ça ne va pas du tout. Monsieur Donovan, j'ignore pourquoi vous me questionnez comme si j'étais un détective. Je vous assure, ce n'est pas le cas. Je suis fasciné par vos méthodes, rien de plus. En médecine, il est indispensable d'avoir le sens de l'observation et de la déduction pour arriver à un diagnostic. Et j'étais impoli, je vous prie de m'en excuser si c'est le cas. Non, pas du tout, vous êtes direct. C'est le nouveau monde. Vous ne m'en voulez pas. Oh non. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'y a-t-il, monsieur? La table est dressée à l'envers. Ça ne va pas du tout. Tout a changé, monsieur. La famille pour qui vous travaillez a dû vendre la maison. À présent, c'est moi qui suis votre hôte. C'est le chapelain des anciens propriétaires, mais c'était il y a longtemps. Mesdames et messieurs, je vous en prie, n'hésitez pas à admirer ma collection une dernière fois, avant que tous ces trésors ne quittent votre sol. Le pillard des colonies a enfin terminé ses assauts répétés sur vos salles des ventes. Oh, souvenez-vous néanmoins que toute casse se paie. Chris. C'est pour aller au-dessus de la cheminée de ma future maison. J'en avais déjà pris les mesures. Vous ne m'aimez pas, hein? Vous êtes trop prompt à vous sentir rejeté. Évitez les jugements trop hâtifs. Est-ce une base de votre fameuse méthode? Votre cheminée doit être immense, monsieur Donovan. On peut s'y tenir debout. Et savez-vous de quoi cette cheminée est faite? Non. Eh bien, d'os de dinosaure. Toute la vallée en regorge. Alors moi, j'envoie des cargaisons entières de squelettes à tous les musées du monde. Et en retour, ils m'envoient de l'argent à la pelle. La chute de Lucifer. J'ai été éduqué chez les jésuites, alors l'enfer ne me fait pas peur. J'ignorais que vous étiez catholique, Dr. Doyle. En théorie seulement. Ma famille me pousse à l'utiliser à mon avantage, alors que pour moi, l'utiliser serait aberrant. Donc, vous vivez selon vos principes, à vous? J'essaie, en tout cas. Je vous ai peut-être mal jugé, docteur. Je ne serai donc pas aussi provincial et attardé que vous ne le pensiez? Non. Merci, mademoiselle Donovan. Mon frère semble avoir quitté la pièce, monsieur. Il avait l'air un peu désorienté à table. On dirait un enfant, ces temps-ci. J'envoie mes hommes à sa recherche.
On ne peut pas baser ses conclusions sur ce qu'on lit dans la Bible. Ce sont les saintes écritures. Et on lit noir sur blanc, œil pour œil, dent pour dent. Si on fait une lecture littérale de la Bible, elle devient aussi dangereuse que toute autre œuvre d'art. Aucun homme ne peut faire du mal à autrui sous prétexte qu'on a fait pire à ses ancêtres. Enfin, je trouve un homme qui a de la conversation. Les autres niais ne savent parler que de mon regard, de mes cheveux, de ma voix ou de mon teint. J'ai des palpitations. Votre main. Il n'y a rien de gênant. Tout est parfait. Non, je veux dire, ce n'est pas gênant, car vous êtes docteur. Le pouls se prend plus souvent au poignet. Fameux guerrier champion de l'Ulster. Vous permettez? Ceci était son Excalibur, si je ne m'abuse. Un formidable symbole. Une arme vraiment redoutable en son temps. C'est plus une épée d'apparat qu'une arme de guerre. Docteur Bell, soyez prudent, s'il vous plaît. Elle est très ancienne. Je n'avais pas réalisé que vous possédiez une collection privée en plus de l'autre, ni d'ailleurs que vous aviez une telle passion pour l'histoire celte. Il s'agit de la terre de mes ancêtres. Néanmoins, vous voilà en Angleterre. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? J'ai souvent entendu dire qu'en ce qui concerne leurs sentiments envers l'Angleterre, nos vieux ennemis sont de 12 agneaux comparés à un Irlandais devenu américain. Oui, et d'ailleurs, je ne suis pas américain. Vous ne m'en voulez pas? Non. Mon frère doit rentrer à présent. La soirée s'achève, je crois. Quel dommage. Ce fut une telle joie. Je vais faire avancer les voitures. Ralentissez pas, cocher! Une guinée de pourboire si vous ne ralentissez pas! Qu'y a-t-il, docteur? L'épée! Je suis sûr que c'est l'épée! Dois-je réveiller les morts pour entrer? Docteur Bell? Vite! Quelqu'un est-il entré ici depuis tout à l'heure? Bien sûr que non, docteur. Pas de chat, pas de femme de ménage, personne. Docteur, que se passe-t-il? Parfois, cher confrère, ce ne sont pas tant les détails que la perspective dans laquelle on envisage ces détails qui est importante. Ce soir, notre hôte n'était absolument pas intéressé par mes méthodes. Il ne voulait qu'une chose, déterminer ce que j'avais découvert. Pourquoi? Et je me demande aussi pourquoi, vu qu'il se passionne manifestement pour la mythologie celte, il s'obstine à dissimuler son enthousiasme aux yeux des autres. Et que dire de son personnel? Ce ne sont pas des domestiques de métier. Non, si l'on en juge par la qualité du service à table. Donc, il y a peut-être un lien, mais rien n'est moins sûr. Ce que nous avons ici peut être le résultat d'un simple accident, ou alors il s'agit d'un crime crapuleux. Mais je me demande si nous ne serions pas en présence, en réalité, d'une espèce de... d'une horrible exécution rituelle. Sa montre. S'il vous plaît.
serviette. Elle n'a pas été retirée, mais enfoncée dans le corps. Tout à fait. Je n'avais pas envisagé qu'on puisse porter un tel coup. Cela justifie de réveiller l'inspecteur Warner. Me demanderez-vous. Oui, il y en a une. Hudson, notre tailleur de pierre, a un nom. Et il avait un père qui lui a offert cette montre. Non. Bon, écoutez, allez chercher l'inspecteur. Et je m'engage personnellement à vous offrir un repas complet dans la taverne de votre choix. Pardon, je voulais finir mon dîner, rien de plus. Avez-vous vu quelqu'un s'enfuir? Oui, par là. Doucement. Vous restez là. Bonsoir, docteur. Vous ici? Qui sont ces hommes? Saluez les fils rebelles de la Terre d'Irlande. Vous êtes des Fenians? Mon Dieu, vous êtes des terroristes! Allez, faites-le monter. Restez là, docteur. Monsieur Donovan va venir vous voir. Désolé de vous avoir laissé comme ça dans le noir, Dr. Doyle. On va vous délivrer dans une petite minute. Allez le chercher et trouvez-le vite. Thank you.
Francis, tenez. On s'apercevra que le docteur Doyle a disparu. Je ne courrai aucun risque. Je vais mettre l'opération en route. Envoyons les hommes tout mettre en place. Nous, on s'occupe de Doyle. Allons, messieurs, en route pour Londres. James, avec votre frère, vous vous chargerez de la maison de Lord Roxton. Francis et Danny iront à Immort Park. Je m'occuperai personnellement du dernier objectif. Où sont les sacs? Ils sont dans le fiacre. Mais allez les chercher! Vous deux, sortez ce maudit journaliste du confessionnal et jetez-le dans le lac. Piétine les traces de pas. Par où? Ni épée, ni cérémonie pour celui-là. Je veux qu'on l'abatte comme un renard. Thank you.
Non! Docteur. Vous allez bien? Oh, je survivrai. Et heureusement, vous aussi. Pourriez-vous leur parler, docteur Doyle? Je suis un peu dans le pétrin. À qui sont ces éléphants? Ils appartiennent à un circumambulant avec qui on fait un bout de route. Cette histoire de cadavre, on n'y est pour rien. Dites-le à l'autre guignol. Je crois que je peux expliquer la situation. Non. Avant de poursuivre, la présence de votre artiste décorateur serait opportune. Comment s'appelle-t-il? Walter. Vous voulez bien le faire appeler? Bien, monsieur. Finance un groupe de terroristes irlandais qui ont pour but de perpétrer des attentats en terre anglaise. Il a affirmé s'être fait duper par un agent qui lui avait loué ce domaine si loin de Londres. Mais en réalité, il voulait être près de Portsmouth. C'est là qu'arrivent les bateaux qui viennent d'Irlande. Il n'est pas irlandais. Il est canadien. Quels sont ses arguments? Un ressentiment d'autant plus destructeur qu'il est irrationnel. Ils développaient leur technique de dynamitage. Le cheval de sa fille s'est emballé à cause d'une explosion lors de ma première visite. C'est un dénommé Michael qui confectionne leurs bombes. Je l'ai soigné car il s'était blessé. Il était seul à la propriété. Il refuse de dire où sont les autres. Ils sont partis pour Londres. Ils sont passés à l'action plus tôt que prévu. Et que visent-ils? Ils ont mentionné la résidence de Lord Ruxton, il me semble. Et Enmore Park également. Il y a une autre cible, mais je ne la connais pas. Est-ce que ces bombes avaient des retardateurs ou de simples mèches? Je n'ai pas pu voir. En quoi est-ce important? Il y a eu une tentative d'attentat à la gare de Victoria il y a 3 mois. L'explosif était relié à un retardateur qui ne s'est pas déclenché. Vous pensez que c'est l'œuvre du même groupe? Je sais qu'ils planifient leur action depuis longtemps. Je les ai vus sur le point de jeter un corps dans le lac, arrangé exactement comme l'était le tailleur de pierre assassiné. Je pense que c'est là que finissent ceux qui ne sont plus utiles ou qui deviennent trop curieux. Tué d'un coup d'épée celte et jeté au lac par un ancien marin avec sur la main un tatouage de sirène, monsieur Walker. Oui. Livrons-nous un brin de spéculation. Tant que je ne dois pas avouer quoi que ce soit. Le dénommé Michael a été blessé dans une échauffourée avec des voleurs qui dévalisaient la remise sur la propriété de Donovan. Les voleurs se sont enfuis, emportant pour tout butin des statues de jardin qu'ils pensaient être des antiquités. Je les ai vus. Ils les ont abandonnées derrière eux. Mais ils avaient aussi emporté autre chose, je crois. Le corps d'un tailleur de pierre dans un linceul de toile prêt à être jeté dans le lac. Qui, du fait de la rigidité cadavérique, pouvait facilement, pour un œil non averti, être pris pour une momie égyptienne. Tout à fait le genre d'objet qu'il s'attendait à trouver. Alors, il rapporte tout au grand Sachem, qui, lui, n'est pas ravi du butin.
Ce n'est qu'une simple spéculation. Les petits larcins d'une troupe de Romanichel ne m'intéressent absolument pas aujourd'hui. Les statues, j'ai dit à Méga de les pilonner, mais je croyais pouvoir exposer la momie en la faisant passer pour la fille du pharaon. Ça faisait chic. Et donc, vous l'avez confiée à Walter pour qu'il l'arrange un peu. L'odeur de colle qui imprégnait la toile était en fait une odeur de pigment, c'est ça? Ça ne sentait pas que le pigment. Au bout de 2 jours, ça sentait la charogne, une horreur, totalement inutilisable. Alors j'ai dit à Walter de s'en débarrasser. Et il l'a vendue à Monsieur Reuben Proctor, le conservateur du musée d'histoire naturelle de Southsea. Pour ensuite boire les 7 guinées. Vous perdez votre temps avec lui, messieurs. Il n'a plus sa tête. Jadis, j'ai peint des décors pour Charles Keane. J'ai réalisé des toiles pour Campbell. J'ai travaillé pour Hall au club. Et pour Buxton au théâtre de Haymarket. Sir John Millais a affirmé que dans Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, mon fond de scène était digne de la Royal Academy. Vous êtes un maître du pinceau, monsieur. Vous nous avez tous trompés avec brio. Je m'incline devant votre talent. Mettez-vous à leur place. L'hiver est difficile pour eux. Les dépenses continuent, mais l'argent ne rentre pas. Et comme partout, les ragots circulent. Ils apprennent qu'un millionnaire vient de s'installer dans une propriété avoisinante débordante de trésors. Vous défendez ces margoulins ? J'essaie seulement de comprendre leur logique. Je ne suis pas moins tolérant que Monsieur Tout-le-Monde. Le voilà, monsieur tout le monde. Quoi? Inspecteur, si vous n'avez plus besoin de nous, nous aimerions rentrer. J'ai besoin de vous plus que jamais. Je crains qu'il ne soit trop tard pour empêcher les terroristes d'arriver à Londres. Mais l'affaire est entre les mains de la police maintenant, n'est-ce pas? Oui. Mais qui va identifier ces hommes? Il n'y a que vous et le docteur Doyle qui puissiez les reconnaître. À quoi cela servira? À rien si vous restez ici. Mais je vais faire arrêter l'express de midi et vous montrer dedans. La ligne passe à moins d'un kilomètre d'ici. Vous pouvez faire ça? C'est une affaire d'importance nationale, docteur. Et je ferai ce qui est nécessaire. Changer d'endroit. Dans un instant. Inmore Park est un quartier très vaste, vous savez. Je suis désolé, je n'ai pas d'autres précisions. Lui, c'est un de mes hommes. J'ai toute une division sur l'affaire. Judicieux.
avec quelque chose. Il a essayé d'avaler ceci. Voici l'adresse de Lord Ruxton. Et ceci... Le Town and Country Club. Barrez la rue! Puis-je vous aider, monsieur? Je suis le commissaire Mulford de Scotland Yard, qui s'occupe de cet endroit. Vous? Veuillez m'excuser d'interrompre votre soirée, messieurs, mais vous êtes en danger. Vous devez quitter les lieux sans tarder. Veuillez vous diriger vers la porte principale. Je vous en prie, messieurs, allez vers la porte, s'il vous plaît. Ne l'écoutez pas, messieurs! Doyle est un ancien étudiant en médecine qui en est toujours resté au stade des blagues de potache. Et d'ailleurs, j'en ai plus qu'assez. Professeur, sa écoutez. Sa spécialité est de tout faire pour humilier ses anciens professeurs. Et à plusieurs reprises... Police! Je suis le commissaire Mulford, monsieur, de Scotland Yard. Je peux vous assurer que le danger est réel. Et vous seriez très aimable de m'aider en quittant maintenant les lieux. Immédiatement, je vous prie. Mais... Excusez-moi. Monsieur? Vous là-bas! Stop! Arrêtez-vous! Non! Tout le monde à terre! Doyle! Mais par l'enfer, qu'est-ce qu'il faut? Elle n'est pas ici! La bombe est dans la boîte aux lettres! Beaucoup, et cet avertissement vous évitera peut-être les flammes de l'enfer. Allez, emmenez-le. Tout va bien. Bien joué, George. Donc il serait revenu aux bonnes vieilles mèches car les retardateurs ne fonctionnaient pas. Et heureusement, car je n'aurais pas vu la fumée. Mais... si j'avais fait sortir tous ces gens dans la rue, imaginez un peu le drame que cela aurait été. Et ce n'est pas fini, il reste une cible à trouver. Laissez Mulford faire son travail, nous avons fait le nécessaire. Doyle, quel était le nom gravé sur la montre du mort? Hudson. Et quel nom lisez-vous sur cette carriole de tailleur de pierre? Hudson. Arrêtez-vous! Dites au commissaire que nous avons trouvé le dernier objectif. Souhaitez-vous participer à l'office? Pourriez-vous nous dire où ont travaillé les tailleurs de pierre? Ne vous en faites pas. Faites-nous confiance. Nous sommes médecins. Veuillez vous lever.
Restez à distance, Docteur Doyle. Comme vous voudrez. Je crois qu'il suffira que je vous surveille tant que la police arrive. Avec une mèche aussi courte que possible, pour ne pas pouvoir changer d'avis. C'est le tailleur de pierre qui a identifié le pilier central. Il m'a été utile. Si on détruit celui-ci, c'est le toit entier qui s'effondre d'un bloc. Enfin, ce qu'il dit. Une église. Il y a un mariage samedi. Une branche de la famille royale. Toutes ces sangsues et ces politiciens, ça aurait été formidable. Mais vous avez avancé l'opération. À cause de vous. Vous n'avez pas d'ennemis ici ce soir. Ce sont des gens ordinaires, des femmes, des enfants. Dans toute guerre, les enfants meurent. Mais quelle guerre ? Vous n'êtes même pas Irlandais. La justice demande que soit vengé l'honneur des opprimés de l'histoire. Et comment vous ont-ils trouvé dans votre manoir? Laquelle de vos 60 pièces choisissez-vous pour souffrir? Ma petite Gladys est morte. Et qui a cela sur la conscience? Personne d'autre que vous. Mais c'est vous qui avez donné le ton ce soir. Sauvé. Monsieur Donovan, non! Pas trop près, ma chérie, tu vas te faire mal aux yeux. Maman, j'essaie de lire ce qui est écrit. Reuben Charles Proctor, conservateur de ce musée de 1882 à 1884. Merci, docteur. Je vous en prie, mademoiselle. Inès, qu'est-ce que tu fais là, te cacher comme un animal craintif? Madame Williams m'a dit que je pourrais avoir les sandwichs qui restent si je me tiens bien. Espérons que l'assemblée n'ait pas trop faim. Mais je suis content de te voir. Je repars à Édimbourg, alors nous devons nous dire au revoir. Tu n'as pas envie de venir avec moi? Je suis content ici. Ah, tu aimes l'Angleterre? Arthur dit qu'il adore ma compagnie. Et c'est pour ça que tu es ici? Je ne suis pas censée en parler, mais papa est chez les fous. Arthur refuse d'aborder le sujet. Je vois. Inès, peux-tu me rendre un service? Si jamais ton frère se trouvait dans la gêne ou en difficulté, pourrais-tu m'écrire? Tu n'as pas besoin de le lui dire. Ce sera notre petit secret à nous. D'accord. Va te chercher un sandwich, tant pis pour Madame Williams. Qui est donc l'artiste? Walter Ward, madame. Un génie méconnu. Et pourtant, son œuvre inspirée de Shakespeare a été jugée digne de la Royal Academy. Oh. –
Vous êtes content d'être resté? Je suis ravi. Au fait, j'ai entendu dire qu'une partie de la collection de Donovan allait être confisquée et donnée au musée au nom de feu votre ami. Je me rends compte que la sœur de Reuben est très jolie. Oh, Doyle. Quoi? Vous êtes vraiment navrant. Non, je parle d'un point de vue esthétique. Gardez votre esthétisme pour vos nouvelles. Je dois partir, j'ai un train à prendre. Ne vous avisez pas de m'accompagner. Et surtout, prenez soin de vous. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le fasse. À une prochaine fois. Très bientôt, j'espère. Ça, comptez-y.